www.casarema.fr. Ben, gloire à Dieu. Je voudrais te bénir, mon frère, te bénir, ma sœur, toi, fidèle téléspectateur de Casarema Télévision. C'est vraiment une joie pour moi d'avoir cette opportunité de la part du Seigneur de revenir encore dans ce studio dans le cadre d'un enseignement que nous allons avoir tout à l'heure. Mais avant toute chose, nous voulons adresser une courte prière à notre Dieu. Père d'amour, Dieu de grâce, nous bénissons ton nom ce matin. La Bible déclare que nous serons tous enseignés de toi. Ce matin, Seigneur, c'est au bas de la montagne que nous nous trouvons. Et ma prière est que à moi, à mon frère, à ma sœur qui suivent, Éternel notre Dieu, que tu puisses déverser sur nous la connaissance de ta parole, car la Bible déclare « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Que ta parole nous fasse du bien, au nom de Jésus-Christ, ton Fils d'amour. Amen. Et donc, laissez-moi commencer par vous remercier, vous qui avez été très nombreux, à suivre notre première émission lorsque le livre intitulé « Réflexion biblique sur la dîme » a été présenté. Je bénis le Seigneur pour tous vos encouragements. Que le Seigneur vous bénisse. Et je bénis tous ceux qui ont pris du temps pour nous adresser directement au téléphone des questions. Que la gloire revienne à notre Dieu. Et je voudrais également bénir tous ceux qui nous ont adressé des observations et des remarques un peu désobligeantes. Mais vous savez, même Christ est passé par là. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, mais je voudrais vous bénir également. Donc avant d'entrer dans l'enseignement de ce matin, je voudrais simplement attirer notre attention sur le fait que nous sommes tous soumis à la parole. La parole n'est pas soumise à nous, nous sommes tous soumis à la parole. Voilà pourquoi lors de cet enseignement, je voudrais que tu aies un stylo, je voudrais que tu prennes un carnet et que tu commences à noter, parce que comme je le dis, ça sera un enseignement pour asseoir le fondement biblique sur la dîme. Et donc, le message de ce matin, nous l'intitulons « Les quatre principes bibliques pour la dîme ». Les quatre principes bibliques pour la dîme dans l'Église d'aujourd'hui. Il y a plusieurs principes dans la parole de Dieu. Mais nous voulons faire un petit tour de notre Nouveau Testament et voir quelques principes. Et donc ce matin, nous retenons quatre. Je vais commencer par le premier principe. Je l'ai expliqué lors de la présentation du livre. C'est le principe qui s'appelle le principe de l'implication générationnelle. Nous trouvons ce principe dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. La Bible déclare, nous lisons, « De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans le rein de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. » Analysons attentivement ce verset bien-aimé. Abraham rencontre Melchisédek, Lévi n'est pas encore né. Abraham se laisse bénir par Melchisédek, Lévi n'est pas encore né. Abraham paye la dîme, Lévi n'est pas encore né. Mais la Bible, dans le livre d'Hébreux, dit « Lévi a payé la dîme par Abraham, car il était dans le rein d'Abraham. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Abraham rencontre Melchisédek, il y a plusieurs rencontres qui se passent en ce moment-là. Tous ceux qui sont cachés dans Abraham, lorsqu'il rencontre Melchisédek, eh bien tous ceux-là rencontrent au même moment
Melchisédek aussi, même s'ils ne sont pas encore nés, ils sont cachés dans le rein d'Abraham. Lévi a rencontré Melchisédek lorsque Abraham a rencontré Melchisédek. Lorsque Melchisédek a béni Abraham, eh bien Melchisédek a béni Lévi. Lorsque Abraham a payé la dîme, mes frères, mes sœurs, la Bible vient confirmer que Lévi a payé également parce qu'il était caché. La grande leçon, c'est que toute la descendance cachée dans Abraham, lors de la rencontre Abraham-Melchisédek, tout ce qui se passe entre Abraham et Melchisédek, eh bien ça se passe également entre toute la descendance qui est cachée, mais qui va paraître plus tard avec Melchisédek. Et c'est comme ça que nous allons voir que lorsque Lévi va grandir, Dieu choisit Lévi pour être au service dans le temple. Eh bien, la Bible ne dit pas parce qu'Abraham a payé la dîme pour Lévi, Lévi ne payera plus. Quand tu lis dans la parole de Dieu, les autres enfants d'Israël payent la dîme, même si Abraham a payé pour eux, lorsqu'il a rencontré Melchisédek, Lévi va payer la dîme de la dîme, bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, ça veut simplement dire que lorsque Abraham a rencontré Melchisédek, l'acte qu'il a posé a engagé toutes les générations futures qui sortiront de lui. Et donc, la génération physique ou biologique d'Abraham, ce sont les enfants d'Israël. Lorsque la loi arrive, ils vont continuer à payer la dîme. La descendance spirituelle d'Abraham, Galates chapitre 3, le verset 26 à 29 nous montre clairement, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, de la même manière que la descendance physique, biologique d'Abraham a payé la dîme par Abraham et a continué à la payer pendant la période de la loi, de la même manière que la descendance spirituelle d'Abraham, moi et toi, en Christ, Abraham nous a engagés lors de sa rencontre avec Melchisédek, eh bien, dans la dispensation de la nouvelle alliance, nous, en tant que descendance d'Abraham, notre Père nous a engagés, nous continuerons à payer la dîme. Ça, c'est le premier principe. Maintenant, le deuxième principe, c'est le principe que nous appelons le principe des enseignements néo-testamentaires. La plupart du temps, lorsque les hommes de Dieu enseignent sur la dîme, nous ouvrons l'Ancien Testament. Mais nous voulons voir ce matin que Jésus a parlé de la dîme, mais Paul également a largement enseigné sur la dîme. Commençons par Christ. Matthieu chapitre 23, quand tu lis, la Bible montre que Christ n'abolit pas la dîme. Christ s'adresse aux pharisiens, Christ s'adresse aux sadducéens, aux scribes, et Christ dit, vous payez la dîme. C'est une très bonne chose. Mais je voudrais simplement que vous compreniez qu'il y a une autre portion que vous négligez dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité sans négliger la dîme que vous payez déjà. Donc, Christ n'a pas aboli la dîme, bien au contraire, Christ est venu asseoir le principe de la dîme pendant son temps ici sur terre. Mais allons maintenant dans les épîtres de Paul. Souvent on dit, Paul n'a rien dit sur la dîme. Mais je veux vous démontrer, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que j'ai insisté tout au début pour dire que nous sommes tous soumis à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est soumise à personne. Eh bien, regardez ensemble avec moi 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 13 et le verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 13, et le verset 14. L'apôtre Paul pose une question. Paul dit,
ne savez-vous pas que... Oh, j'aime bien comment est-ce que l'apôtre commence ce texte. Il dit, ne savez-vous pas que... À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse aux Corinthiens. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Verset 14, il dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Oh bien-aimés, ceux qui aiment la parole de Dieu, comprenez que ici l'apôtre parle aux Corinthiens. Dans l'église de Corinthe, il y a majoritairement trois nationalités. Les Juifs, les Romains, parce que nous sommes pendant la période de la domination romaine, et les Grecs. Si les Juifs connaissaient la loi de Moïse, les Romains et les Grecs, sauf si on les a enseignés, si on ne les a pas enseignés, les Romains et les Grecs ne sont pas au courant de cette loi-là. Mais quand l'apôtre arrive, l'apôtre pose la question. Et là où il pose la question, il y a les Romains, il y a les Grecs, il y a les Juifs. Il pose la question, il dit, ne savez-vous pas que... Ça veut dire que les Romains ont été enseignés sur ce qu'il est en train de demander. Ça veut dire que les Grecs ont été enseignés sur ce qu'il est en train de demander. Quand est-ce qu'ils ont été enseignés? Ce n'est pas dans la loi de Moïse. Parce que les enseignements sur la loi de Moïse d'abord portaient et intéressaient prioritairement les Juifs. Mais ici, nous voyons clairement que l'apôtre Paul fait référence au texte de Nombre chapitre 18. À partir du verset 8 jusqu'au verset 31. C'est un long texte que je te demande de lire calmement chez toi à la maison. Nombre 18, 8 à 31. Quand l'apôtre dit, ne savez-vous pas que... L'apôtre fait référence à Nombre chapitre 18. Donc ça veut dire que l'apôtre enseigne Nombre chapitre 18, 8 à 31 dans une église à Corinthe, qui est une église pas de l'Ancien Testament, mais qui est une église du Nouveau Testament. Voilà la preuve que la dîme a été enseignée par l'apôtre Paul aux chrétiens du Nouveau Testament. Que dit Nombre chapitre 18, le verset 8 à 31? Nombre chapitre 18, verset 8 à 31, l'apôtre montre que Dieu a donné à ceux qui servent au temple une partie des offrandes, pas toutes les offrandes, une partie, vous lirez le texte de Nombre, une partie de dons, les prémices et les dîmes. Voici donc l'enseignement que l'apôtre Paul va donner aux chrétiens de Corinthe, préalablement connus. C'est comme ça qu'il dit, ne savez-vous pas que... Ça signifie que les chrétiens de Corinthe avaient reçu cet enseignement. Et ces chrétiens, c'est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimés, si nous aimons la parole de Dieu, oui, si nous aimons la parole de Dieu, eh bien, voici une occasion pour nous de découvrir que la dîme n'est pas simplement un enseignement dans l'Ancien Testament, mais la dîme a été largement enseignée dans le Nouveau Testament. Troisième principe, c'est le principe que nous appelons le principe du contexte et de l'abrogation. Toute loi dans l'Ancien Testament marche avec un contexte, marche avec un environnement, marche avec une base, marche avec un fondement. Eh bien, la difficulté pour nous chrétiens de la Nouvelle Alliance est celle de savoir quelles sont les lois qui restent dans l'Ancienne Alliance et qui ne traversent pas dans la Nouvelle Alliance, et quelles sont les lois qui se trouvent dans l'Ancienne Alliance et qui traversent dans la Nouvelle Alliance. C'est là qu'est la difficulté aujourd'hui. Et ce principe va beaucoup nous aider. Bien aimé, toute loi dans l'ancienne alliance
à un contexte. Eh bien, maintenant, pour savoir si la loi dans l'ancienne alliance traverse dans la nouvelle alliance, il faut s'intéresser à deux choses. Est-ce que le contexte reste toujours? Deuxième chose, est-ce qu'il y a une autre loi, un autre texte dans la nouvelle alliance qui abroge l'ancienne loi? Je veux nous donner deux exemples avant de revenir sur la dîme. Ces deux exemples vont nous aider. Premier exemple, la circoncision. La circoncision, nous la voyons dans la loi. Lors de l'alliance que Dieu va faire avec Abraham, évidemment, avec toute la descendance qui suivra. Mais pourquoi nous ne pratiquons pas la circoncision dans la nouvelle alliance? Eh bien, nous ne pratiquons pas la circoncision dans la nouvelle alliance, alors que c'est une loi que nous voyons dans l'ancienne alliance. Ben, bien aimé dans le Seigneur, dans la nouvelle alliance, nous tombons sur des textes qui abrogent automatiquement la pratique de la circoncision. Eh bien, vous allez me dire, homme de Dieu, ça se trouve où? 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 9. L'apôtre dit, la circoncision n'est rien. La circoncision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Un deuxième texte, c'est Galates chapitre 5, le verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Voilà. C'est une loi dans l'ancienne alliance, mais il y a un texte ici qui vient l'abroger. Ni la circoncision, ni la circoncision n'a la valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Voilà, la circoncision, une loi dans l'ancienne alliance, qui est clairement abrogée dans la nouvelle alliance. Un deuxième exemple, ce sont les offrandes d'expiation de péché. Combien d'animaux ont été sacrifiés, bien-aimés, au temple ? Par les sacrificateurs pour la rémission des péchés des hommes et des femmes qui venaient après avoir péché. C'est une loi que nous voyons dans le livre de Lévitique. Mais pourquoi cette loi-là, nous ne la pratiquons pas aujourd'hui? Cette loi ne traverse pas la nouvelle alliance, bien-aimés. Simplement parce que le contexte a changé. Tous ces animaux, nous ne les sacrifions plus. Mais pourquoi? Ben simplement parce que nous avons maintenant l'agneau immolé qui s'est sacrifié. L'agneau immolé qui s'est sacrifié, bien-aimé, est venu répondre à la justice de Dieu. Donc, nous n'avons plus besoin de sacrifier les animaux parce que Jésus s'est sacrifié. L'ancien contexte, l'ancienne loi, totalement changée par le sacrifice de Jésus-Christ. Voici donc une loi, une deuxième loi, dans l'ancienne alliance, qui est totalement abolie dans la nouvelle alliance. Mais maintenant, la loi sur la dîme, parce que nous disons qu'il s'agit de la loi. Bien aimé, quand tu lis dans la nouvelle alliance, le contexte n'a pas changé, comme nous allons voir avec le troisième principe. Aucun texte n'est venu clairement dire, vous ne payerez plus la dîme. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alors maintenant, laissez-moi introduire donc le principe qui est le dernier principe que nous allons voir. Nous avons donc vu le premier principe qui est le principe de l'implication générationnelle. Nous avons vu le deuxième principe qui est le principe des enseignements néo-testamentaires. Nous avons vu le troisième principe qui est le principe du contexte et de l'abrogation. Alors, le quatrième principe vient comme une suite du troisième principe. Parce que nous avons dit que pour qu'une loi soit bien aimée, pour qu'une loi soit totalement délaissée, il faut qu'il y ait un texte qui l'abroge, il faut qu'il y ait changement de contexte. Alors regardons maintenant le quatrième principe et le tout dernier pour l'enseignement de ce matin, c'est le principe de la maison de Dieu et du service. Remontons plus loin. Pourquoi est-ce que Dieu institue la dîme?
Dieu dit aux enfants d'Israël, vous autres, vous irez travailler, je mets à part Lévi. Lévi travaillera pour moi. Et parce que Lévi travaillera pour moi, eh bien, Lévi aura comme revenu la dîme. Donc, nous voyons un contexte. La maison de Dieu et les serviteurs dans la maison de Dieu. Quand tu vas dans l'ancienne alliance, il y a la maison de Dieu, il y a les Lévites qui travaillent. Et bien aimé, quand tu viens dans la nouvelle alliance, le contexte n'a pas changé. Le contexte reste le même parce que nous avons l'Église, nous avons les assemblées et nous avons les serviteurs. Le contexte reste le même, bien aimé dans le Seigneur. S'il n'y avait pas le temple à l'époque, s'il n'y avait pas Lévi mis à part, certainement que Dieu n'allait pas instituer la loi sur la dîme. Donc vous voyez que le contexte traverse la nouvelle alliance. Nous avons des églises, nous avons des assemblées, et quand nous allons plus loin, bien aimé, le texte d'Éphésiens chapitre 4 dit que Dieu a donné aux uns comme docteur, comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, tout ce que vous voulez. Eh bien, tous ces gens-là, mes frères, mes sœurs, où est-ce qu'ils vont travailler? Tous ces pasteurs, tous ces évangélistes, tous ces docteurs, tous ces prophètes, eh bien, tous ces gens-là, ces apôtres, où est-ce qu'ils vont travailler? Ces gens-là travailleront dans la maison de l'Éternel. Que ce soit dans l'église universelle ou dans les églises locales, ces gens-là vont travailler. Et si ces gens-là vont travailler, ils vont travailler parce que Dieu les a mis à part comme il avait mis à part la tribu de Lévi. La tribu de Lévi a été mise à part pour travailler au temple de la même manière que ces hommes-là, les cinq ministères, ces hommes-là qui sont les serviteurs, les servantes, sont également mis à part pour être au service du Seigneur dans l'Église. Bien-aimés, vous vous rendez donc compte que le contexte n'a pas du tout changé. Et parce que le contexte n'a pas changé et qu'il n'y a pas une nouvelle loi qui abroge l'ancienne loi, ça veut dire que la pratique de la dîme reste et restera d'actualité jusqu'au retour du Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Toi, ma sœur, toi, mon frère, qui aimes la parole de Dieu. Vous savez, il y a des choses qui bousculent notre entendement. Il y a des choses qui bousculent nos pratiques. Il y a des choses qui viennent bousculer tout ce que nous avons eu comme connaissance. Je comprends que ce n'est pas toujours facile. Lorsque nous nous sommes sentis à l'aise dans certains enseignements. Frère, la Bible est très claire. Les quatre principes que je viens de t'expliquer, sauf si tu ne lis pas la même Bible que moi. Si tu lis la même Bible que moi, eh bien tu vas voir, je l'ai démontré ici, que l'apôtre Paul a prêché la dîme aux Corinthiens. Et les Corinthiens, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Le contexte de la dîme, c'était la maison de Dieu et les serviteurs au service de Dieu. Ce contexte n'a pas changé aujourd'hui. La maison de Dieu reste, les serviteurs restent. Donc la pratique de la dîme reste d'actualité et restera d'actualité. Oh, laisse-moi te bénir, mon frère, ma sœur, alors que j'arrive à la fin de cet enseignement. Nos coordonnées sont en train de défiler. Nous restons ouverts à toute question. Nous restons ouverts à toute remarque. Nous restons ouverts, bien-aimés dans le Seigneur, aux échanges. N'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas à nous envoyer un email. Notre email est en train de défiler, vous l'avez. Dans un esprit de partage et dans un esprit d'enrichissement mutuel. Pas dans un esprit de combat, pas dans un esprit de querelle. Non, la parole de Dieu ne nous incite pas vers le querelle. La parole de Dieu est vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Mais cette vérité-là est réservée aux hommes et aux femmes qui aiment la parole. Je reste donc ouvert, bien-aimé dans le Seigneur, après cette contribution. Ma prière est que le Seigneur ouvre les yeux de son peuple, l'entendement de son peuple, le cœur de son peuple et surtout que le Seigneur ajoute
la connaissance là où il y avait eu autre chose. Je n'appelle pas ça la connaissance. Frère, la dîme est biblique. La pratique de la dîme est biblique dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. D'ici là, je voudrais te dire que je t'aime. Je t'aime vraiment de l'amour du Seigneur, ma sœur, mon frère. N'hésite pas à me contacter pour que nous puissions continuer à échanger, à nous enrichir mutuellement. Et laissez-moi en profiter pour souhaiter à chacun et à chacune mes vœux les meilleurs pour la Noël qui s'annonce et la nouvelle année qui est en train de pointer à l'horizon. Je vous aime. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis au travail. Soyez bénis sur Internet, vous qui nous suivez. Soyez bénis, vous qui suivez Casarema sur votre télé. Certainement que vous avez les décodeurs. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci. www.casarema.fr